blessures intérieures. Ba porte à Kati. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Ils ont dit, bah, séquelle interne est causée par un ou plusieurs événements incroyants ayant provoqué des chocs douloureux. Les blessures intérieures, ils ont dit, bah, séquelle, il y a un kambo, oh, il y a un kati na moto. Oh, il y a un causé, na li kambo moko songolo. Et causé, bah, telle chose. Bongo, maman, dit comme on a mis dans la Bible, à Ezana 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 1, verset 5. Mais, j'ai lu au nom du Seigneur, mais il tenait à Anne une portion double. D'abord, je commence au verset 4. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les deux, et tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et je ne vaux pas pour toi mieux que des fils. Anne se leva après, l'on y mangeait et puis à Silo. Les sacrificateurs y étaient assis sur siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la mertime dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nalbaki a tout à l'air que le thème d'aujourd'hui, c'est le blessure intérieure. Ma pota o yakati. Tu as une histoire, il y a Anne qui est bien, tu es un peu, tu es papa, maman, pas tu es. De toute façon, le Saint-Esprit peut te donner la même nourriture avec des différentes sauces. Et aujourd'hui, quand j'ai médité sur ça, et ça m'a poussé à parler sur les blessures intérieures. Et ça, c'est qu'il y a un peu de monde. Quand il y a un peu de monde, il y a un peu de monde. Comme on est là, Anne moko komeleza ki Pénina. Et na sali ba recherche na tangi na lukina tala ba commentateur ba les gens qu'on appelle les docteurs de la Bible, les spécialistes de la Bible, ils ont expliqué que en réalité la première femme, il y a Elkanas, était Anne. Et vu que Anne ne mettait pas au monde et Elkana était allé chercher une deuxième femme au nom de Pénina. En Israël, lorsque quelqu'un ne mettait pas au monde, en fait, l'homme a toujours besoin d'un moisi, ou un botaka, pour permettre que Kombo na ait la perpétuelle. Tant moi, dans la botami, à botifis, ils ont continué. Mais moi, si sur la botate, c'est difficile, c'est impossible que Kombo na ait moutouana ait la perpétuelle. Et alors, en Israël, lorsque la femme ne mettait pas au monde, selon Lévitique, on la voyait comme si c'était une malédiction. Et la femme qui mettait au monde, c'était la bénédiction. Et alors, tout autour de Anne, Azaki Nambanda Moko, Nakombo et Elkana, Yabanda qui kobota. Pardon, Pénina, merci beaucoup. Vous les suivez, vous faites ma fille. Pénina Bande Kobota. Mais Anne Bande Kobota. Bon, maintenant. Bible a dit, tant qu'on est qu'on est dans le temple, pour la photo Mambeka, pour le Seigneur qui, pour la moule, il faut qu'il y ait trois fois qu'on est dans le temple. Il y avait trois grandes fêtes, il y avait juifs,
Il faut que tout le temps dans le temple, mais tant que nous sommes dans la synagogue, pour juste un rappel. Alors, tant que nous sommes dans le temple de Zakina Siloé, il faut plus ou moins 25 km de chez eux. La Bible dit, mon bal n'a pas mal à l'écoper ça. Moi, si on a l'écoper ça, à mal à l'écoper ça, ceux qui apprécient pour la balle à l'aïa, mi bali, apprécient pour la balle à l'aïa basi. On parle même de tous, avec S. Je ne sais pas combien de fils avait-elle. Et des filles. Abané copé ça, mais ceux qui ont commis la moi si vous avez abané copé ça, abané copé ça double. En réalité, ce que tu as dit, ah, mon corps va appeler ça double, elle doit être heureuse. Mais le grand problème de Anne, et c'est là qu'il m'a dit, la Bible dit, à chaque fois, abané qu'on m'a tapé dans le temple, m'a dit, abané qu'on blessé. Et c'est à ce moment-là que Anne commençait à pleurer. Elle ne mangeait point. Pénina la mortifiée. Qu'on mortifiait, ça dit qu'on ne peut blesser, qu'on tout est pour la kati na na amu na ye na bomoto na ye ou esa na kati. Mais en même temps, les gens tout autour d'elle, les gens du quartier, pouvaient aussi dire tala moisson. T'as la moisson, y'a la qu'elle m'a bé, oh, t'as la moisson, moi si moussou soit beau ta kame, oh, beau ta kate. Vous imaginez combien d'années cette femme a pu en dire ces choses. Son mari pouvait lui offrir beaucoup de choses, mais au fond de son cœur, elle plairait. On peut qu'on s'en raison qu'on paraît très malade. Combien de femmes, combien d'hommes parmi nous, n'ont-ils pas été un jour si j'ai objet à mon cœur? Ils ont mon souci, ils ont mon esprit à l'église, mais la manière dont son mari la traite, elle est déjà blessée. Ils ont mon souci, ils ont vendu, mais c'est ma pote à Ezoka. Ils ont mon souci, ma parole à maman, tellement ma salle à maman m'a béni. Ma perte, ma comment même goût à cause de la babote, c'est la ressuscité. Mais malgré soi, ma zofa n'a pas la babote. Les enfants sont tellement blessés intérieurement. En voyant comment les papas frappent maman. En voyant comment maman insulte papa. Yosanani. Et quelqu'un qui reste dans son coin, parfois il pleure, mais vous ne le voyez pas. Mais il est en costume ou en panne. Combien de femmes n'ont-ils pas été une fois parfois à cause de ma papa la maman, papa sont là la moine. Moi j'attends mon sousou. Aïe a bêté les maman, si tu sois avec papa l'été. Maman dit non, on m'a mis la libala nana. Moi n'a pas su à la kanika, comme on dit ma papa sa kananzoto naïe. Elle souffre. Qui va les comprendre? Qui va la comprendre? Et combien de fois, dans mon sous soyez pas tout le monde qu'on a vu à Salah Mabé. Alors, tellement ma doua des potes, il y a des fois, ils ont ressassé. Tant qu'ils ont ressassé, moutoumou soyez pembe na yo, aux hommes n'a pas au Salah Mabé. Tellement tu as été blessé dans différentes choses, dans différentes situations. Ensuite, dans mon sous mobile, tellement on a déjà Salah Mabé, aux hommes l'ingalo di keba keba, pour éminanité. Aux états moussou, moi sur la Bible, voilà ça la kinga mabe. Donc il faut si c'est ma keba keba. Mon frère, ma sœur, peut-être au fond de toi, tu sais la chose qui t'arrange, la chose qui te fait mal, qui t'attriste. Peut-être par ton cousin, la personne que tu as fait du bien pour la vie. Et quand tu restes toute seule, tout seul, au baliko kanisa, tant moussou n'a pas ça qu'on s'en a moutoué ça sous souté. Au PCM, il y a confiance. Il y a des gens qui ont été détruits. Après, qu'ils sont revenus à l'obéissance, ils ont été détruits. Papa Labino. Il faut même qu'on rappelle moi là, qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est à cause de votre papa que je souffre. Et parfois, l'enfant commence au fil et à mesure, tu ne sais pas comment tu es en train de blesser ta fille ou ton fils intérieurement. Tu ne sens pas quelque chose de bien. Et les blessures intérieures, et ça a ma conséquence, c'est belé dans ma vie, Nabiso. On peut dire
Et vous savez, quelqu'un qui courait s'il est blessé, ou quelqu'un qui va faire un voyage, ce qui est blessé, ce qui a un jour, mouké, à ça va m'écouter. Donc, pour nous, on a accompli ça. N'est-ce pas qualifié là qui est. Et Seigneur, d'abord, vous soignez ici, car il y a quatre années pour toi, ce qui, après, vous continuez pour t'ambouler normalement. Alors, qui peut nous guérir de ces blessures intérieures? Qui? Christ est celui qui nous guérit de nos blessures. Il est le Seigneur. Amen. Tu restes là, tu regardes ta vie, tu dis, mais je me rappelle quand j'étais ceci, quand j'étais cela. Il y a même des femmes, ils ont aimé des personnes qui n'ont jamais voulu. Et du coup, puisqu'il voit la personne travailler, il dit non, à honorer la batwaromo nanga la robe blanc. Après, il commence à vivre avec. Après, on dit, t'as la goût, oh yo goût, oh yo goût nanga. Si tu l'avais fait, ne te culpabilise pas. Dieu est capable aussi de te restaurer. Je dis simplement pour dire combien de fois n'avons-nous pas aussi fait le mal aux autres et de même temps, quand tu passes à la qui m'a qui ressasse tout le temps dans la catamité, mon abisso. Et lorsqu'il y a les blessures intérieures dans ta vie, tu peux tout faire, tu peux te battre, mais tu ne vas pas progresser. Mais Christ est le seul aujourd'hui de pouvoir nous guérir de ces blessures-là. Je parlais avec un homme. Je travaillais avec quelqu'un. Il était en train d'expliquer. Il dit, bah si, ah, oh, bah tu t'es. Sous un nom signé dans ma colo. Non, t'es ma tête. J'étais curieux, la tunie, par rapport à quoi. Ah, mon frère, lui, moi, Bani. Et c'est non, dans un prédicateur, ça m'intéresse quand même, sur le Kokoyo, pour voir un peu comment les choses. Il commença à me raconter comment son père est mort à cause de sa femme. Il dit, à ce moment-là, il y a 6 mois, mais juste étant on a 6 mois. Et moi, si il y a il y a que, bah non, tout le monde, pas bien, alors qui, c'est quoi, il y a et 6 mois après, l'homme tellement ne pouvait pas supporter tout ça, il se retrouve dans ma belle. Elle me raconte aussi son histoire. Il dit, on a coûté un mois si mon co, bah il n'y a pas refoulé, bah tu es déjà en place, bah quand on va tout. N'a su pas avocat, la bonne, bah tu as besoin d'un coup de zoba. N'a pas ni naïe, 9 ans, pardon, à bon tatate. N'a caillé mon thème, la caillé mon thème, la tigre à ma classe, à tangi, à tangi, mon colocat à 8 ans, à zu, mon salaboué, bah il n'y a pas chef né italien, aïe, à aucun coup ça, à boue. Et combattant mon soir, à 3h du matin, à Kena Moussala, il a 3h du matin, comme il a porte. Chérie, n'a commis. Chérie, n'a commis. Tout ça pour me faire souffrir. Puisque la police était venue à l'Isna Kosimba, il y a le roi en Kombaba, il a été Yakobima. Mais comme il y a aussi un autre côté, comme il y a pas occupé ma communauté, et la femme commençait à faire ça, Nanko. Tortille. Il m'a dit, tu vois comment j'étais amaigri, tu ne peux pas imaginer. Un jour, j'ai même fait un accident à cause de tout ça. Il me dit, à mon moment, jamais n'a pas eu le nom de mon thème. Je lui ai posé la question, il a dit, avant moi, je suis allé voir mon souci. Mon souci, on a dit, non, on a dit, il y a des gens qui ne sont pas bons, donc il faut avoir un poids, il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui sont bons. Donc, il y a des gens qui. Je comprends ta douleur, mais il ne faut pas avoir un poids, si tout n'a pas de mon poids, il ne peut pas souffrir. C'est le contraire, il y a des hommes qui font aussi le mal, et il y a aussi des femmes qui font le mal. Qu'est-ce que tu vas gagner? La Bible dit qu'il sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Regardez, DJ Arafat. Tu sais qu'on peut faire dommage, je ne sais pas moi, les musiciens viennent de ça et là, du monde entier. Qu'est-ce que ça peut changer? Profaner son corps, qu'est-ce que ça peut changer? Un jour, nous tous, devant l'Éternel, nous serons jugés pour présenter nos œuvres. Ne fais pas ton prochain du mal. Quand tu plaires, Dieu n'est pas content. Si tu as fait ton prochain du mal aujourd'hui, je t'en supplie, dis à Dieu de te pardonner. Et pardonne-lui aussi. Et nous voyons comment Anne, il y a des fois, mon bal est ici, est-ce qu'on se montre la tête comment banadis, il n'a pas de valeur pour le cabane. Non, pour ma Anne, il n'a pas de valeur pour le cabane. C'est Pénina. Pénina la mortifie tout le temps.
Quand elle va monter dans le temple, elle la mortifie. Et les gens du quartier voient la malédiction. Et si vous regardez bien, la Bible dit que Dieu avait rendu stérile. Si c'était à notre époque, démon de stérilité, démon de... Je reconnais qu'il y a le diable. Il nous cherche, il nous combat. Nous devons chercher aussi à avoir le discernement. Amen. Parfois, tu combats dans le vide. Aujourd'hui, ma cible est comme moi, je sais moi que nous sommes gâtés. Peut-être que c'était Dieu. Alors, va vers ton père, déclenche quelque chose. Et Seigneur, la mission, il y a fois, tout ça. Au fond, il y a une vie, on va discerner. On va nous discerner. J'ai déjà beaucoup prié, on a chassé mille mois qui ont raté. Sur la salle, on lui a ensemble. Que Christ m'a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Et que cela continue toujours. Donc, soit je dois regarder ma vie. Si je check ma vie et que je vois tout est bon, donc là maintenant il faut changer façon de voir comment on est là. Quand il y a la carte, la tactique de mon côté. Il y a des choses autour de l'habité, où ils ont zambété, où ils ont Satan. Ah oui, on a qu'un combat. Mais il y a des choses qui ne te demandent pas, tu vas combattre Dieu. Ah, il n'a pas cherché des démons. Qui Dieu avait rendu stérile. Et vous savez, la Bible dit, avant qu'on pousse pour atomo kananzambe oya rendre stérile. Même sa rivale, pardon, a eba dit que nzambe ndem ta salière comme stérile. Elles ont poussé même à s'irriter contre Dieu. Le Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais en aucun cas, selon le texte, que Anna a dit, nous avons pas la nuit au saboué. Elle a plutôt compris. Mais elle pleurait tout le temps. Il y a des fois, elle ne mangeait pas, elle pleurait. Vous imaginez si ça peut combien de temps? Pas une semaine. Pas des mois, des années. Comment cette femme pouvait avoir apporté une telle douleur? Mais elle n'a jamais abandonné d'aller, c'est ce qu'on a siloué. Quand tu es blessé, quand tu as des problèmes, ou ils ont au sale, ou pas, ils ont quoi attristé, ne fuis pas l'église, puisque tu ne vois toujours pas la réponse. Ne conditionne pas Dieu par rapport à ta situation. Non, parce que je ne vois pas. Na Roumeli. Et na zoumou n'est pas le côté. Parce que Mouya Ezate. Il ne fait que parler. Il y a des choses qui demandent parfois Mbamba. Osa la mote, mais Mbamba kak. Amen. Asa la ratete à Kosa la kak. Amen. Bon, on a habité, on a été capable de restaurer. Amen. Mais on a tout le monde là, ça c'est pas une perdité. Nous avons été capable de changer moi si nous avons été. Amen. Le cas de X n'est pas mon cas. Amen. Mon frère, on a été là, on a été là, on a été là, on a été là, il ne faut pas toujours prendre des choses négatives. Au lieu de ça, mon mutunion soit un peu meilleur. Au sac qui ne remonte malamu, mon soit sali au mabé. Ne prends pas tout. Pourquoi qu'on laisse mon tout mon soit zala qui malamu pour nayo. Yo suis comme ah, na mesa na baya akabasalabu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Et cette femme continuait à pleurer. Mais un jour, le verset dit un neuf balbi. Anne se leva après que lui mangeait bien à Silo, le sacrificateur, lui était assis sur le siège après de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle prit l'Éternel, versa des pleurs. L'amertume dans l'âme. Na kati ya moleme ya mutu, ne evan na kaba émotion, ba sentiment. L'amertume. Mais dans l'âme, une femme blessée, une femme humiliée par sa rivale. Par les gens du quartier. Parce que si vous regardez dans le chapitre 2, Azor,
Je pense qu'à part cette femme qui la mortifiait tout le temps puisqu'elle la voyait, mais il y avait peut-être des gens tout autour d'elle ou qui la voyaient. Nanzela zo kene wenzeto songo bande pe kota lena misu moko mabe. Muninga kota ya kota rate. Vous savez quelle souffrance. Mais cette femme, un jour, a qui a bani kolela. Na amabi la mertime dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle versa des pleurs. Anne avait fait de se blessir sa force. Elle n'a pas crié. Omoni, yopendina, ozo sakana, omoni. Non, ne cherche pas les combats avec les gens qui vous ont fait du mal. Si c'était ton mari, ne cherche même pas à penser à tout ça. Tu perds ton temps. Tu vas souffrir pour rien. Si c'est ta femme, peut-être elle ne pense pas à ce moment à toi. Toi, tu passes ton temps pour regarder tout ce que tu as fait. Oui, tu as mal fait, je comprends. Parfois, tu avais perdu ton fils, ta fille que tu aimais tant. Et des fois, quand ça revient, tu dis, elle pouvait avoir tel âge. Oh, si mon père était là, si ma mère était là, si mon grand frère était là, si ma grande sœur était là, on pourrait être mieux qu'aujourd'hui. Non, c'est déjà passé. La personne que tu as perdue, elle ne reviendra plus. Elle est partie. Vis ta vie maintenant. Regarde devant toi. Et cette femme a fait de ça sa force. Elle plaira devant l'Éternel. Elle dit l'amertume dans l'âme. Et Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Amen. C'est celle Christ qui peut te combler de tes blessures. Lorsque Christ il lisait les rouleaux, la Bible dit, dans Luc 4, verset 18, dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'Évangile. Pour libérer les captifs. Et ceux qui ont le cœur brisé. Ici, il ne parle pas, il ne s'agit pas de cœur dans le sens où Paul a parlé dans 2 Corinthiens, il parle la cœur par rapport à la repentance. Non, ici, il parle de le cœur brisé. Les gens, à l'intérieur, ils sont brisés. Christ est venu pour guérir ces cœurs-là. Il est le seul aujourd'hui à pouvoir te guérir. Amen. De toutes tes blessures. Amen. Surtout si tu veux te guérir de tes blessures, ne fais pas de tes blessures comme une arme pour venger. Lorsque les gens qui nous ont fait du mal, on a toujours tendance que à Romone. Un jour, à Romone. Lorsque nous avons Romone et l'autre, à Romone. On conditionne notre vie tout autour de tout ça. Ne conditionne pas ta vie, mon frère, ma sœur. Ne conditionne pas ta vie puisque ta femme t'avait mal fait, ton mari t'avait mal fait. Non! Quand tu fais ça, tu te bloques toi-même. Et la chose qui nous fait aussi nous de pouvoir nous guérir de nos blessures, c'est le pardon. Mon deuxième point. C'est le pardon. Christ a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Vous savez, Genèse, tant ma tête ici, Joseph. Joseph va se retrouver à la prison. La Genèse, je crois, 40, verset 15. Bible, la Bible, tant où Joseph, verset 14, 15. Tant où Joseph, aïe, qu'on limbole la moutouana, chanson, là, nini, notonaïe. Ebisie kanisangai. Tant au kokende. Loba na pharaon à ma faveur. Pona bimanandak oy. J'ai été enlevé. Namboka ba ebre. Même naza a naza ka innocent.
Vous croyez que même quand Joseph s'est trouvé en prison, il était heureux d'être en prison? Vous savez combien Joseph aussi a souffert? Ce frère t'ont vendu. Tu te trouves dans un endroit où tout commençait à aller bien. Et moi, si à mon continuo, à l'ingé, à coucher, à yo, tu refuses, à cause de ma kamalokuta, bah, qu'elle est en prison. Vous voyez ce qui peut se passer dans son cœur. Ma oh, bah, ton nom, bah, l'ingé, là, na qui ça, ça, ma kamolikola, ma kam. Ok, bon, l'ingé, vous voyez, oh, bah, l'ingé, vous soyez, on s'est retrouvé dans la prison. Eh, bien, si, kamisangai. L'homme a tiré dans la faveur, nanga. C'est quelqu'un qui avait de martyre dans son cœur, de plaisir dans son cœur. Mais vous savez, Joseph, quand Dieu l'a élevé et que sa famille était venue pour chercher à manger, c'est le même Joseph. Il a pardonné à ses frères. Il leur a pardonné. Alors qu'il pouvait venger, puisqu'il était Azaki déjà Moukondi. Mais Joseph, il n'a pas vengé. Et il y a des fois, le plaisir reste en nous, puisque nous voulons tout le temps venger. Nous voulons tout le temps prouver qu'il y a comme on a, à ressentir, à comme on a dit, si tout le monde nous souffre, il y en a. Néni, au moins, néni, à bébé. Donc, c'est bobo et n'a mais. Moutema nous on l'a d'accord et ma nini n'a coma. Au canisa fait ma bon moment. Tika sa la fille, fais ta vie. Malheureusement, tu as toujours une impression, so kaboué n'a moutou non, il y a fallu on a te pas senti qu'il y a un danger. Je t'en supplie, souhaite les bolam en tout cas. Fais ta vie. Et Joseph, tango, a eu limbo la noto. Martyr. Mais Joseph, tango, a eu pour ta moi, libo, sobi, le bébé, si, et comme moi, m'annoncé. Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier. Christ est le seul de pouvoir nous guérir de nos plaisirs éternels. L'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. C'est quelqu'un qui souffrait en lui-même. Même s'il pouvait, avec qu'on limo la bandoto, mais au fond de lui, il souffrait. Et comme Dieu n'abandonne pas ses enfants lorsqu'il reste toujours fidèle à lui. Amen. Ne regarde pas la vie de l'autre, puisqu'il t'avait fait mal, ou tu lui avais fait mal. Oublie aujourd'hui. Comment si notre vie avec Jésus, Jésus est capable de nous guérir de nos blessures intérieures. Et après, il donna au second le nom d'Ephraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Un pays où puis Joseph a vécu des difficultés, des humiliations, des injures parfois. Peut-être en prison, il y a un peu de moi, ça mon compte. Oui, mais tu as la Bible. Et des fois, on a eu un cas avec le roman de Tali. Et ça, on a eu un peu de temps. Mais quand on a eu un minute, on a eu un peu de temps. Non! Vous avez eu un peu de temps, vous avez eu un peu de prison. Et ça, on a eu un peu de temps. On a expliqué que vous avez eu un peu de temps. Mais à l'oubli, nous avons eu un peu de temps. Dans la terre, où les avez eu affection. Vous savez, lorsque tu ne pardonnes pas, lorsque tu as toujours un esprit à vengeance, ils vont voir, je dois venger. Tu risques de commettre des choses irréparables, après tu regrettes. Mon balle, tu avais accepté de lui pardonner, alors c'est fini. Pourquoi à la maison tu le répètes? Yo, comment ça la terre, maman, ça la naïo? Et ça te prend la limite, ça yo, comment ça la terre? Quand tu dis ça sans le savoir, tu te fais souffrir un jour, tu finiras peut-être à agir involontairement. Puisque les blessures intérieures, parfois tu peux faire des choses sans que tu t'attendes à le faire. Et quand tu as des blessures intérieures que tu n'arrives pas à pardonner,
tu es vulnérable. Le diable peut te manipuler d'un moment à l'autre. C'est ce qui s'est passé dans 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13, verset 20 à 23. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses. Il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Des ans après, comme Absalom avait les tondères à Baal, à Chor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom a zaki na monde de connaître à moi-ci. Bon, a zaki na demi-frère, naïe, Abnon. Je ne parle pas de l'amour, alors je ne vais pas toucher là-dessus. Mais pour sauter, pour juste pour rappeler. Abane kolingae makasi. Mais lorsqu'elle coucha avec sa sœur, Bible dit, aïnie kole kaninga banaki ko kolingaye. Nzo kaninga ne kolingaye, Bible dit, pene kuto abena. Tant à déshonorer, frère naye, Absalom ayokiam. Papa la moi s'irritait, mais il n'a rien fait. Le blessure était resté na cœur à Absalom. Bible dit, il ne parle ni en bien, ni en mal. Il fait semblant. Mais depuis ce jour-là, elle est déjà contente qu'il n'a monté malheur. Il souffrait de ses blessures. Et Abnon, il voyait comme si de rien n'était. Ah bon, on a oublié, tout est bien. Tout est rentré dans l'ordre. Ah, ça va. 2 ans après. Et dans vous conseillez ici de Konaé, mais non, c'est ton frère. Et ça, problème était. Qu'on garde on a monté malheur. Et puis c'est ta mort. Quand gardons la moté manote à sa frère nayo, nous sommes la moté manaye, il a été déjà blessé. Mais il garda cela. Après 2 ans, il a invité les fils du roi dans le but de venger sa sœur. Lorsque les blessures intérieures et que tu n'as pas pardonné, c'est un grand danger, mon frère, ma sœur. Pardonne ton père. Pardonne ta mère, pardonne ton frère, pardonne ta sœur, pardonne ton mari, pardonne ta femme. Et lorsque tu pardonnes, tu dégages de ça. Et Christ est seul capable de pouvoir. Amen. Et au bout du compte, Absalom tua son frère. Et David a été irrité, mais il n'avait rien fait. Et on a vu plus tard, David a fui. Puisque son propre fils voulait les renverser. Le blessure intérieur. Il a voulu renverser David. David a fui. Quand tu ne pardonnes pas et que tu gardes toujours le mal qui ont été faits par ton mari, par ta femme. Il y a même des enfants. À Solana, papa n'a aimé. Soit Tali, surtout papa n'a aimé. Ambassade, et tout, maman n'a aimé. Je comprends. Si tu vas te sauver, je peux comprendre. Il y a certains enfants qui peuvent chercher ton malheur. Mais n'agis pas de la sorte puisqu'ils cherchent ton malheur. N'attire pas la colère de Dieu. Malheureusement, il y a aussi d'autres enfants qui ne cherchent pas les malheurs, mais plutôt maman la ligne bangote, ton papa ligne bangote. Surtout Miban. Si vous avez un sou, vous allez banco, bon, c'est ok, n'a pas. Mais mi bal. On commet si qu'on bimana moi na oh yo ko bokoli. Nous sommes pas sans moi la noter soi-disant. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Tu oublies que tes enfants aussi auront des fils, des filles. Kenno lu kabana. On est pas uchan. Mais kenno lu kalibanda. Non seulement tu pêches, mais tu détruis même toute une famille. Parfois les enfants vivent dans la haine. Il y a une famille moko. Tout ça, la maman m'a parenté. Maman m'a béni si moi, elle a outil poto. Pas outil qui ça, pardon.
Azaki pembe. Papa wana mali ko kana makala bi mana mwana wana ya mwasi. Mwana liboso abo ya ABC mama. Ah, kindo kinaona awa te. Wala kindo kinayo. Papa la ABC so sali boye ozanga mukanda. Lokwa mwana mpa ki sika ebe makambuta azaki mwa muke. Sur 16 ans ou 15 ans. Si je ne me fais pas d'illusion. Aux ans, Mukanda, au moins, au surtout cas, donc il faut un bilan, pas on sait qui ça ça. Moi, la télé, ce qu'on est en manière qu'on souffre, il n'y a qui ça ça. Pas on sait qui ça ça, il n'y a pas de réalité pour tout le temps, pas on sait qu'à beauté. Moi, la comique au CD. Papa, comique au défendre, moi, la n'a pas de réalité. Ce qui est qu'on y a, on prétendait, on y a. Moi, tu as qu'on tchaille, on dit maté. Et jusqu'à ce que moi, je me consomme tout et bébé. Je suis un peu comme ça, je suis un peu en vérité. Je suis un papa. Mais si les gens gardent l'eau, on n'a pas dit qu'il n'y a pas et qu'on crée un conflit dans les bottes là-bas. Pour papa, on a qui m'a dit aussi, maman, on a qui m'a dit. Papa, tu dis ce qu'il est pour moi, on a dit que papa, non, papa, soit qui m'a dit, on a créé là, on a un problème. Vous voyez ce que ça peut créer? Et cette femme-là, si les gens. A balité, avant de dire à Bongo. Donc, c'est triste. Mon frère, ma soeur, lorsque Christ vous guérit de vos blessures, vous êtes libre. La Bible dit, lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et Christ aujourd'hui est capable de nous affranchir de nos blessures intérieures. Il est capable. Et c'est le sel et Anne quand elle plaira. La Bible dit dans le verset 19. Mon bal n'a rien que connaître Anne. Et l'Éternel se souvient. Amen. Oh waouh, Dieu se souvient aussi. Parfois, enfin, on a l'impression comme si quand tu demandes à Dieu ne se souvient pas. Non, détrompe-toi. Ton problème. Tu as l'impression comme si Nzamba zoti kazo bounde loto, détrompe-toi. Amen. Toi, continue à prier. Amen. Un jour, Dieu s'y souviendra de toi. Amen. Dieu se souvient de Anne qui avait tant de blessures dans son cœur. Et Dieu lui donnait un fils au nom de sa mère. Alors que personne aujourd'hui ne connaît les enfants de sa rivale. On me dit seulement les fils et les filles, qui sont-ils? Mais Samuel, jusqu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Lorsque Dieu se souvient de toi pour te guérir de toutes tes blessures, mon frère, ma sœur, on parlera de toi. Amen. Ne cherche pas la justice toi-même. Tu vas souffrir. Et à un certain moment, et qu'on banda bien, mais on vous a soufflé. Peut-être ça peut t'amener aussi à la mort. Vous avez vu la fin d'Absalom? Tamar, peut-être elle était restée, elle avait continué à faire sa vie, même si elle a été déshonorée. Mais lui, Absalom, après avoir tiré son frère et son père, a pris la poudre d'escampette, il s'est enfoui. Et après, il a été tué. Quand la haine est continue à monter Manayo pour une situation ou une autre, ça peut te détruire à petit feu. Te détruit, mouké. Si tu pardonnes, oublie. Aimez vos ennemis, c'est dire. Hein? Aimez ceux qui vous maltraitent. C'est dire. Hein? Vous aimez quelqu'un qui vous font du mal. Je vous en supplie, parfois c'est difficile. Mais si tu veux vivre avec Christ, c'est comme ça. Mais ce n'est pas aussi difficile si tu sais ce que Christ a fait pour toi. Et pour terminer, Christ dit dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive coulera de lui. » Celui qui croit en moi, Christ dit, un fleuve d'eau vive
et qu'obima la version soit lui sortira de son sein. Donc et qu'obima katina yo au comme source. Alléluia. Il y a bénédiction. Alléluia. Même les gens qui t'ont fait du mal, toi tu deviens la source de bénédiction pour Amen. Eux. Amen. Ton mari t'a fait du mal. Ton ex-fiancé, que sais-je, ne rappelle pas aux enfants ceci. Cela vous concerne, vous deux, pas les enfants. Même si tu es fâché, ne rappelle pas aux enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont leur papa, leur maman? Non. Il y a des gens mauvais, il y a aussi des gens bons. Oui, si cela t'est arrivé, ne regarde plus en arrière, regarde devant. Amen. Tu as déjà pris un autre chemin, continue avec ce chemin-là. Amen. Si tu étais à la base de ça, demande pardon, tu es capable de te restaurer et que Amen. Tu continues en bonté. Mais ne le fais plus. Christ est capable. Et psaume 119, verset 5, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque tu sers la parole de Dieu dans ta vie, même lorsque le mal vient, même lorsque l'affliction vient, tellement que la parole de Christ tient ta vie, mon frère, ma sœur, tu t'en sortiras toujours. Amen, amen, amen. Tu n'auras pas un esprit de vengeance, mais tu auras plutôt un esprit de pardon. Le pardon est plus fort que la vengeance. Amen. Amen. La vérité est plus forte que le mensonge. Amen. Et la mort est plus forte que la mort. La vie, pardon, est plus forte que la mort. Amen. Et le pardon, surtout, est plus fort que la vengeance. Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, regarde ta vie là où tu as été blessé ou là où tu avais blessé les autres. Christ est là aujourd'hui pour combler ces vides, bander tes plaies. Amen. Amen. Car la vie est plus forte que la mort. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus est capable. Dit celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Tu deviendras la source. Alléluia. Et les gens verront en toi la paix. Car Christ dit, je vous donne ma paix. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions pour la parole. Prions bien aimé. Il va où il est pour nous pour aller nous et à la ambiance. Et à la où beaucoup d'abissos le linge au tête aux alli tant où nous sommes passés. Mais ils ont la haute temps où passe et comme la biseau et si ma camité ma biseau, l'olingue est montée à outil côté et porte à capé katina biseau non vengeance. Il aura haute et soit ici qu'à la montée ma bien aimé. Ce n'est pas facile de pardonner celui ou celle qui te fait du mal. Na ma casse la biseau monte au cocaté. Mais à travers l'Esprit de Dieu, nanzela na Yesu Masia, ndeto kokoka, ndeto kulonga. Tant on y a ce tariko tout qui s'ama. Tout c'est moi la mission de Bissou du Kouré par Yesu Masia. Yeah.
pas la locure, la vie sautée, mais pas la locure, la vie.